Je vous le disais au début de cette édition, l'église numéro 12 de N'Djamena a servi de cadre cet après-midi à l'ouverture des travaux de la 6e conférence internationale des femmes, Sara. Sara, le nom biblique à ne pas confondre avec la communauté Sara. La rencontre a regroupé des femmes venues de 7 pays d'Afrique. La cérémonie d'ouverture, qui a regroupé des centaines de fidèles, a été marquée par plusieurs interventions. Le thème, la femme chrétienne et le fruit de son travail. Je vous invite à suivre à présent l'intégralité du discours prononcé par la première dame Hindadi Bi-Itno à cette occasion. Je voudrais avant tout propos saluer la présence massive dans cette salle des sœurs venues de 7 pays d'Afrique pour communier avec les sœurs du Tchad dans un élan de fraternité. Cette communion touche tant le cœur que l'esprit, car la conférence internationale du mouvement Sahara se veut un véritable cadre d'échange et de débat sur un certain nombre de préoccupations essentielles qui participent à l'épanouissement de la femme et au progrès de la société. Aussi voudrais-je me réjouir de la tenue de ces importantes assises dans la capitale du Tchad et souhaiter la cordiale bienvenue et un bon séjour à tous nos hôtes. Il y a juste 48 heures, un symposium majeur portant sur le thème « Islam, dividendes démographiques et planification familiale » s'est tenu dans notre capitale. Aujourd'hui, une conférence de grande envergure axée sur un thème porteur, à savoir la femme chrétienne et le fruit de son travail, est portée sur les fonds baptismaux. La succession de ces deux événements, qui place la femme et la jeune fille au centre des préoccupations, n'est pas assurément un simple hasard de calendrier. La multiplication des rencontres, de réflexion sur des sujets qui touchent cette couche sociale a une bien profonde signification. La femme et la jeune fille qui incarnent l'espoir doivent bénéficier des soins et de l'attention nécessaires pour qu'elles puissent effectivement assurer leur fonction vitale dans la société. Cet impératif passe par la lutte contre toutes les pesanteurs qui entravent l'épanouissement des femmes et compromettent le développement de leur potentiel productif. Il est du devoir de toute la communauté de s'investir pour construire une société respectueuse des droits de la femme et de la jeune fille. Distingués invités, mes chères sœurs, la tenue de cette conférence internationale qui met un point d'honneur sur le bien-être physique et spirituel de la femme et de la jeune fille est une heureuse perspective à saluer. Les femmes chrétiennes, sous la houlette de leur organisation qui porte un nom chargé de symboles et de mythes, nous tracent aujourd'hui le chemin lumineux à suivre. Oui, garantir le plein épanouissement de la femme et de la jeune fille n'est pas une équation insoluble. Oui, assurer l'autonomisation de la femme est un défi qui est à la portée de la société. Oui, tout est possible à l'humanité lorsqu'elle fait preuve de volontarisme sincère et d'engagement réel. Je crois fermement que tous nos États sont aujourd'hui engagés dans une dynamique forte visant à donner à la femme et à la jeune fille les moyens nécessaires pour leur épanouissement. C'est le lieu ici d'encourager le gouvernement tchadien pour ses actions et programmes en faveur de la femme et de la jeune fille. Je songe particulièrement au programme d'autonomisation des femmes et du dividende démographique, sans occulter bien sûr les actions concrètes qui touchent l'éducation, la santé et la lutte contre toutes les pratiques discriminatoires et avilissante à l'égard des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, il est indéniable que toutes les actions posées en faveur de la femme et de la jeune fille est un investissement de plus qui est consenti sur le terrain du développement. C'est le fruit du travail des femmes
qui alimentent nos sociétés et boostent le progrès de nos États. Sans la participation effective, active et dynamique des femmes, nous ne pourrons pas vaincre la pauvreté et le sous-développement. Aussi, je voudrais une fois de plus remercier le mouvement Sahara International pour son initiative et convier d'autres organisations à suivre ce bel et édifiant exemple. Je me ferai le devoir de plaider auprès des plus hautes autorités de la République pour la prise en compte des conclusions de vos échanges, qui, je l'espère vivement, seront sans doute riches et fructueux. Je voulais peut-être vous demander d'entonner ensemble, et je commencerai. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Merci. Nous savons tous à quel âge Sarah. On m'a dit Sarah, mais nous on dit Sarah, la femme d'Abraham, a conçu. Nous savons tous à quel âge Sarah a conçu, tout en vous souhaitant de meilleures délibérations, je déclare ouverte la 6e conférence internationale du mouvement Sarah. Une cérémonie émouvante, l'intégralité donc du discours de la première dame Hinda Deby Itno à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 6e conférence internationale des femmes Sahara. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.